Nous sommes en décembre 1922 et il est décidé d'émettre un timbre pour le 100e anniversaire de la naissance de Louis Pasteur. Louis Pasteur est mondialement connu et reconnu comme l'un des fondateurs de la biologie moderne, telle qu'elle s'est développée tout au long du 20e siècle. Son œuvre scientifique est à l'origine de quelques-unes des disciplines majeures des sciences de la vie. Biochimie métabolique, microbiologie générale, études des virus et bactéries pathogènes, immunologie. Sa théorie des germes et la pratique des vaccinations dont il est à l'origine ont révolutionné la médecine et la science vétérinaire. Si l'image de Pasteur, bienfaiteur de l'humanité, s'est finalement imposée, la vérité oblige à dire que ce grand savant a dû lutter toute sa vie avec acharnement pour obtenir les fonds nécessaires à la poursuite de ses travaux. Car Pasteur n'était pas médecin, raison pour laquelle les sommités médicales de l'époque l'ont traité avec condescendance. La France utiliserait-elle alors ce vecteur de communication qu'est le timbre pour se rattraper et ainsi montrer au monde entier la reconnaissance qu'elle porte à l'un de ses fils? 73 ans après l'émission du premier timbre-poste, celui sur Louis Pasteur a une valeur symbolique. En effet, les timbres émis jusqu'alors furent des figures allégoriques. Or, Pasteur devient la première représentation sur un timbre d'un personnage réel. Il inaugure ainsi une règle encore en vigueur aujourd'hui. Pour faire l'objet d'un timbre, la personne doit être française et décédée. Mais, comme toute bonne règle qui se respecte, elle souffre d'exceptions. Deux hommes dérogent à cette règle. Napoléon III et le maréchal Pétain. Napoléon III fut représenté de son vivant, mais dans ce cas, il s'agissait sans doute autant du symbole de l'Empire que de l'homme. L'honneur fait à Louis Pasteur est donc d'être le premier personnage à inaugurer cette règle, encore en vigueur aujourd'hui.